Je ne dirais pas qu'un livre a changé ma vie, je dirais qu'un livre a déterminé ma vie, ce qui me paraît plus important. Ce livre, je l'ai découvert quand j'avais 8 ans. C'est l'Iliade, dans une édition pour enfants, l'édition classique des contes et légendes. C'est un des premiers grands livres que j'ai lus. Et ça a changé, ça a déterminé ma vie parce que j'ai découvert à la fois ce qu'était l'histoire, que l'histoire des hommes était quelque chose de passionnant. Et j'ai construit une vie d'historienne à partir de là. Mais c'est un livre, l'histoire de l'Iliade, c'est aussi la juxtaposition des hommes et des dieux, c'est-à-dire de deux plans tout à fait différents, où l'on voit agir des êtres humains et des êtres surhumains, selon des logiques différentes, c'est-à-dire qu'on doit comprendre la psychologie des uns et des autres, et ça m'a conduit véritablement à m'intéresser à la fois au monde réel, à son histoire, à sa longue histoire, et puis à ce qui théoriquement déterminait ce monde réel, qui se trouvait dans un espace totalement imprévisible, incompréhensible, et qu'il était difficile d'appréhender.